Attention, Dominique 80 pour Dundee 33 qui t'appelle. Ah, comment vas-tu ce matin? Oh putain, je te perds déjà. J'ai juste t'entendre à l'instant seulement et je commence à te perdre un peu. Mais je m'en vais au pro. Là, je suis en train d'arriver là, à Artigues. Là, je suis dans le grand virage là, de la SL 89 là, qui est limité à 90. Si, ça passe encore un peu, hein. Ah oui, toi, t'es en direction de Bergerac, c'est ça, hein, tu prends cette direction-là. À Périgueux. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, là, je suis en train de te perdre. Ok, les 913-51 à toi, bonne journée. Je débauche à 17h aujourd'hui, là, de Mérignac. Alors, je sais pas si tu seras dans le coin. Ok, alors, je suis pas dans le coin, mais je remonte direct pour la Bretagne. Ok, direction la Bretagne, ok, j'ai un peu de QRM de mon côté. Ok, d'accord, et bien, bonne route à toi, bon voyage, et profite bien du paysage, HC 3 coups. Ah, ben là, je t'ai complètement perdu, je suis, là, je suis dans la dernière ligne droite, là, avant d'arriver à la rocade. Allez, bonne journée à toi, merci pour ce petit coucou. Je m'y attendais pas là. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est tout cuir au deuil de sens. Bonne journée à tous. Avec les QRM qu'il y a là-dessus, pas évident d'entendre quelque chose. C'est quasiment, on va dire, 1 euro du kilomètre, quasiment, quoi. Parce que t'as trop, t'as 2 euros du kilomètre entre. Il y a de la propague, il est 17h05. Bon, c'est léger là. Je sais pas comment ça a été le restant de la journée. Ah, je sors du boulot. Bon, pour faire du DX comme ça en roulant, j'aime pas trop. Hein. Surtout quand il s'agit de donner une fréquence qui va être en terminaison 0 et tout. J'ai pas le poste qui est bien placé, on va dire, pour faire ça. Alors, c'est pas très épais. Hein. Ouais, l'Italie. Ces jours-ci, il y avait pas mal de Brésil, tout ça. Brésil, Mexique. Argentine aussi qui est passé ces jours-ci. En plus des pays qu'on entend habituellement, la Guyane, la Réunion. Oh, c'est bouché sur la rocade.
Ich bin hier echt offen. Ja, du wunderbar. Ach, hier ist unser Weg. Ich werde den mit dir. Okay. Alors par grosse propague, c'est le canal 6, c'est le canal co-maternel, on va dire, aux États-Unis. J'entends du monde, je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Bon, ça sonne pas trop américain ce qu'on entend là. J'ai l'impression que c'est la propague qu'il y a là en AM. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui là s'appelle en mobile depuis la rocade de Bordeaux. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Tout à l'heure, ça voudra certainement plus. Et alors, ah, curieux ce truc, ils sont en train de m'exploser les oreilles. Je me demande si c'est pas justement, je sais pas. Ah, c'est chiant ce QRM. Attention, Vega 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Oh.
ça module, pas loin. Il est où? Ah. Ça c'est un comble. Il y a de la compacte de partout là du côté des 40 canaux. Et là en BLU, ah quand même ça se réveille. Angleterre.
Attention, les stations fréquences pour 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux au sud-ouest France. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux, sud-ouest France. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux, sud-ouest France. À la station, ça fonctionne bien, ça passe bien. Oh, par contre, on comprend rien du tout à ce que tu dis, la station. Hein. Il est en quoi? Notre il n'a pas bien compris que sur le canal 19, c'était en AM que ça se passait. Ah si, là, il doit être en AM. Attention, station fréquence pour Dundee 33, 14 km, 3301, Rémi, qui lance appel au mobile. Depuis la rocade de Bordeaux, dans le sud-ouest de France. Mais lui il a envoyé de la puissance, hein, pour arriver dégueulasse comme ça. Attention, Dominique 81 pour Dundee 33 qui t'appelle. Ça sature, ça sature la station, ça sature. Voilà, pour ceux qui sont jamais contents de quoi que ce soit, la CB c'est fait pour s'amuser aussi, hein, ça.
C'est un réseau social, hein, donc c'est à prendre comme ça, la rigolade. Hein. Il n'y a pas lieu de se prendre la tête ou quoi que ce soit, comme je peux voir certains messages sur les réseaux sociaux, là, sur Internet. Hein. On s'en fout, on est là pour rigoler, et puis c'est tout. Hein. Là, on est pas en DX, hein, de ce côté-ci. Hein. En DX, ok, je comprends que ce soit plus sérieux et tout, ça, bon, d'accord, c'est normal. Le but en DX, c'est de faire du contact longue distance, et rare si c'est possible. Mais bon, là, de ce côté-ci, des 40 canaux, c'est plus amusement, c'est plus cours de récréation, on va dire, sans prise de tête aucune. C'est faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est plutôt ça. Donc là-dessus, comprend qui peut, quoi. Ou plutôt qui a envie de comprendre. Le principal, c'est que tout le monde y trouve son compte et s'amuse là où il a envie d'être. Hein. S'amuse et se fasse plaisir là où il a envie d'être. Hein. Ah, il y en a un qui est pas loin là. Ah, ça bouchonne là en bas du pont d'Aquitaine. Hein. Ben, idem sur le reste de la rocade d'ailleurs. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, ben c'est le bazar habituel sur Bordeaux. Voilà, que ce soit sur le pont, ça roule à peu près. Si, ça roule. Sur la rocade, c'est le caca. Ça marche, il y a un petit coup de larcelle là, mais ça a marché. Allez, retour bip, le 13-51 de Dindy 33, là au niveau de la sortie de l'Ormont, là à côté de Bordeaux. Je reconnais la façon de parler. Ouais, c'est la façon de parler des Américains, ça, quand ils sont ici sur ce canal. Alors, pour la petite anecdote, il y a même des magasins là-bas, comme ils s'appellent CB Shop, qui viennent faire leur pub là-dessus. Hey, pourquoi pas?
Ça devrait donner des idées, ça, justement. Putain, ça me colle dans les oreilles. Ça devrait donner des idées, justement, sur les boutiques CB qu'il y a en France. Puisque là, si avant elles étaient présentes là-dessus, depuis ça a bien changé. Et pourtant, ça serait bien utile, bien utile, oui. Et assez sympa par la même occasion, quoi. Attention l'Italie pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Bordeaux. Ah, ça passe pas. Vous voyez, là, ok, c'est le canal bordel, comme le 5 en supérieur avec les Italiens. Mais le beau côté qu'on peut voir dedans, c'est que eux, ils foutent pas le bordel à faire des porteuses et compagnie, à insulter, ainsi de suite, sur les canaux d'appel, comme le 19 ou alors le 12 sup. Eux, ils se mettent sur un canal de dégagement. Et puis ils en font leur canal cours de récréation. Voilà, donc le 5 sup, le 4 normal, et ils n'en mettent personne. Voilà. Donc après, ben, qui a envie de se défouler, et tout le monde le sait de toute façon, ils sont là pour se défouler. Voilà, donc rien n'est pris au sérieux de ce qui se passe là-dessus. Quoi. Je trouve que c'est une très bonne idée. En fin de compte, même si s'il y a un manque total de sérieux dans ce qu'ils font, et c'est le but, ils sont sur un canal de dégagement, ils emmerdent personne. Donc, après tout, pourquoi pas? C'est bien ça, c'est bien eux. Sur Internet, si vous voyez des photos de pick-up et tout, avec des rangées d'alternateurs et tout, des antennes monumentales, ou même carrément plusieurs antennes, voire une poutre avec des antennes de posées dessus, ainsi de suite, eh bien c'est aussi eux. Ils se font leur délire comme ça, quoi. Il y a même un jeu comme ça, une compétition, à celui qui va envoyer le plus de puissance. Ah zut, j'ai fait une coupure vidéo. Mais justement, j'ai entendu un CB shop. Alors sur le Brésil, il y en a un CB shop qu'on voit sur Facebook. Il fait des posts tuning et tout. Emerix, oui c'est ça, oui, Emerix CB shop. Thank you.
justement, en ce moment, je partage pas mal de leurs photos de post-tuning. Sinon, les photos, on peut en retrouver directement sur le forum La Planète CB Francophone. Dommage. Tiens, l'île de la Réunion. Il n'y a pas plus de propagande de ce côté-ci, vu ce qu'on entend du côté des 40 canaux. Donc quoi, du coup, ça fait réfléchir. Genre à tout hasard, si j'entends pas des copains là du côté du Québec, on sait jamais. Hein. Ils sont déjà passés il n'y a pas longtemps. Au mois de juillet aussi. La propague n'est pas très épaisse. Arrive à passer plus fort que les autres en BLU, quoi. Cherche d'erreur. Thank you.
Ah, d'ici quelques jours, il devrait passer encore plus fort. Hein. On devrait mieux les entendre là, prochainement. Ah, ça commence là. Braco, 73-51, les stations Made in USA, Hachy, de Dundee 33 sur le sud-ouest de France. Même si je sais que vous ne m'entendez pas parce que vous auriez trop de puissance de votre côté. J'ai peu de chance de me faire entendre. Bon, c'était le petit moment de détente. On va pas se voiler la face. Hein. On a tous un moment de détente. Hein. Ceux qui se disent trop sérieux en fréquence, ne vous inquiétez pas qu'à un moment donné, ils se lâchent aussi. Hein. Sauf que là, je ne le fais pas sur le fréquence d'appel. Break, sud-ouest de France. Ah, break, pour la France. Break, pour la France. Ah, c'est Kukenek qui me répond. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Là, c'est le folklore américain au sens pur du mot. Ouais, ils se prennent pas la tête, ils se mettent là-dessus, puis en avant roule. Ça se lâche. Ah, vaut mieux pas traduire. Hein. Break, CB Radio France. Il y a le pont, là, ça va être nickel. Enfin. Break, CB Radio France. Ah, zut.
contre, c'est pas très malin, ça. Puis il se mord, il est faible, visiblement. Ouais. Ça, oui, c'est pour foutre la merde. Attention, Billy 2-4 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Billy 2-4 pour Dundee 33 qui t'appelle. Ah, il y a une porteuse là-dessus là, qui s'est mise en FM, dommage. Attention, Billy 2-4 pour Dundee 33 qui t'appelle. Bon, visiblement, t'es encore au boulot. Allez, 18h10, peut-être, oui. Pourquoi il est préférable d'avoir un poste multimode, hein? Les postes multimodes au niveau de la CIVI, c'est les vrais couteaux suisses, hein? Suivant son envie, suivant le moment, on peut basculer d'un côté et de l'autre. Ah, là-dedans, j'ai entendu Scotland. Ah, département quoi? Scotland calling DX and standing by.
pensée française. Les gens du 14, est-ce qu'il y a quelqu'un du 14 qui voudrait discuter avec quelqu'un de la 34? Je passe QSY 27800, Tenerife vous attend sous un soleil de plomb. Putain, combien il passe bien, hein. Alors, là, j'ai le poste qui est fixé à la verticale sur le côté droit, là, du levier de vitesse. Donc, en roulant, les changements de fréquence, c'est pas évident. Je dis pas que c'est la meilleure place pour le poste, mais c'est certainement pas la meilleure place pour faire du DX. Le mieux, ce serait que j'ai le poste devant moi. Mais ça m'obligerait là, pour le coup tel qu'il est là, à quitter la route des yeux. Je préfère pas trop. Je joue pas avec le feu. Scandinavie. Tout à l'heure, quand j'ai déplacé la virgule, j'ai vraiment fait au hasard. J'ai compté dans ma tête, tac. Ici, là, ça doit être certainement là. D'un coup d'œil rapide, j'ai vu que c'était ça. Ah, ça a chuté. Ou alors, oh putain, je n'avais pas vu les QRM qui allaient. La réunion place ma peau, peut-être je l'entends pas là. Lui, il est bien placé. I'm going to go to the hospital.
fréquence 27800, qu'est-ce que j'aimerais bien, ça va parler anglais, ça me rendrait bien service. Et pas que pour la radio. Il est 18h20, je vous donne l'heure comme ça pour que vous voyez à peu près à quel moment la propague est bien là. Parce que là, ça passe quand même bien. Hein. Ce que j'aimerais bien, c'est que, enfin, ça devrait, possible que ça, ouais, ça devrait le faire cet hiver ou d'ici peu, là le Québec. Il y a quelques années, on les avait tous les jours, hein, sur le précédent cycle de propague. Alors, il faut le filtre DSP. Là. Ah oui, ça change. Je vais bien tenter de tester le filtre de la voiture. Il y a des haut-parleurs qui ont le filtre DSP d'intégrer, mais c'est des coûts à, je sais plus, 150, 180 euros, je sais plus, dans cette fourchette-là, quoi. Ça fait mal, hein. Voilà, oui, c'est que si on entend les Américains comme ça, là, sur le canal 6, c'est que là, c'est bien parti. Ouais, on est dans la bonne voie. Bon, de toute façon, au niveau cycle propague, on est dans le bon sens. Hein. C'est, on est quand même en AM, là. On n'est pas en BLU, on est en AM. Hein. Donc, c'est que la propague est vraiment très forte.
1-4. Ici un truc. CQDX, appel en direction du Québec, appel en direction du Canada, de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 vous appelle depuis le sud-ouest France. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en direction du Québec, Canada, depuis le sud-ouest France. Désolé, mais je comprends pas. Ça arrive de partout, partout, partout. Oui, enfin, presque partout. Là, je suis sur la fréquence kilomètre. Là, dommage, je comptais sur la propag sur le 19 pour refaire comme il y a quelques semaines là, de ça. Et dire bonjour à tout le monde, car il y a du monde sur le 19. Hein. Là, il pousse la puissance. À mon avis, ouais, il devait en train de jauger. Break pour SAV Radio 33. Mais Steve Bishop, SAV Radio 33. Break. Un peu de pute pour un copain, ça fait pas de mal. En plus, c'est un super dépanneur. Break, Sud-Ouest France. Break, CB Radio France. Hésite, j'y comprends rien. Bon, à un moment donné, cette vidéo, il va falloir que je l'arrête. Hein. Je sais pas combien de temps je suis. Ah. Et... Vous voyez qu'il y a des appels dessus. Eh bien, pour le coup...
Eh bien, je vais arrêter la vidéo. Carolito, tranquilo, mi hermano, que se está entrando para acá al 100%. Siga hablando, usted puede, oye. Eh bien, je vais arrêter la vidéo là-dessus. 73 à tous, 14 km 33-01, Rémi, Dandy 33, Sud-Ouest France, la planète Sibi francophone. Permiso España aquí, Argentina, Buenos Aires.